Car un jour près de toi vaut mieux que mille ans. Thank you.
laisse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Thank you.
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans l'octave de Pâques, deuxième dimanche. Nous fêtons la résurrection et c'est aussi le dimanche de la divine miséricorde. Le tableau du Christ miséricordieux dans le cœur. Cette œuvre de miséricorde qu'est la résurrection du Christ. Et au début de cette Eucharistie, justement, nous implorons cette miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a racheté.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. La pierre qu'on avait rejetée, elle est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il le dise à ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. La pierre qu'on avait rejetée est devenue la pierre d'angle. Première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore. Vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine, j'ai passé 2 coups de fil WhatsApp en Syrie au curé de la paroisse chaldéenne de Sainte-Thérèse à Damas, à Bouna, ça veut dire père, à Bouna Malek Malous, et puis un séminariste maronite de Tartus et de Rabelais qui s'appelle Milad, avec qui nous avons des liens quand nous allons en Syrie. Et j'étais surpris sans l'être, en les connaissant déjà, par leur résilience. C'est-à-dire que le pays est confiné lui aussi, et que pour eux, ben, c'est pas anecdotique, mais pas loin. Ils sont sous l'embargo occidental pour l'instant, après pas mal d'années avec Daesh, Front al-Nusra et autres, et puis sous une dictature depuis une 50aine d'années, ou plus même. Donc c'est pas le coronavirus qui les traumatise plus que ça. Et puis ils sont dans la joie de Pâques. Et puis la vie continue, en fait, et dans la foi, sans problème. Et pour eux, évidemment, ils ont fêté Pâques, comme nous, et cette dimension chrétienne, elle est plus forte que tout. Et effectivement, ils ont raison, parce que c'est Pâques, et que nous, on est encore dans le jour de Pâques, le table de Pâques, qui dure 8 jours, et nous pouvons reprendre la deuxième lecture avec ce bel hymne qui nous rappelle que par miséricorde, eh bien, Dieu a permis que le Christ meure et ressuscite et qu'il nous ouvre les portes du ciel. C'est un magnifique texte, cette deuxième lecture que vous pouvez relire, qui nous dit vraiment tout ce programme merveilleux de Pâques qui nous rejoint, le Christ qui nous sort de notre condition pécheresse pour nous conduire vers le ciel. Côté tout feu tout flamme, c'est beau, c'est la fête de Pâques qui est très belle. Mais si on passe dans la même lecture, juste après, il est dit que cependant, on doit passer nous-mêmes par toutes sortes d'épreuves. Ah, zut, parce que nous, on était partants pour partir vers le ciel, enthousiaste, c'est Pâques, alléluia. Mais par contre, le passage qui aura sans doute toutes sortes d'épreuves, ça, on ne veut pas. Et cette année, on se retrouve un peu obligé à vouloir, parce qu'on n'a pas le choix avec ce virus, et puis les questions économiques et sociales qu'il va y avoir. Et donc, il y a ces épreuves. Et devant ces épreuves, pour certains, eh bien, ça peut être l'occasion de se dire, en fait, donc, bah, je laisse tomber la foi. Les messes en vidéo, c'est pas mon truc. De toute façon, que fait Dieu là-dedans? De
toute façon, tout est pourri, etc. etc. Et donc, de l'enthousiasme, tout va bien, vive Jésus et vivement qu'il m'emmène au ciel, eh bien, devant l'épreuve, on peut facilement se dire, mais en fait, Dieu, il ne me sert à rien, je laisse tomber, je m'affadis, je me décourage. Et justement, il est dit dans cette lecture que ces épreuves vérifieront la qualité de votre foi. Et notre foi, elle est vouée à l'épreuve pour être vérifiée. Et il le dit comme l'or qu'on purifie au creuset. Donc, l'enjeu de l'épreuve, ce n'est pas de nous faire chuter, ce n'est pas le but, mais c'est de nous purifier et de la fortifier. Et après, de l'or qui passe au creuset, il brûle, et c'est douloureux, mais après, il est encore plus brillant, en fait. Donc, ça l'éprouve et ça en fait quelque chose de bien plus beau. Et donc, nous, par rapport à nos épreuves, alors celle de cette crise-ci, puis on peut rajouter toutes les autres, que l'on peut connaître dans une vie, savoir si ça nous conduit à rejeter Dieu, est-ce que ça nous conduit à dire le côté tout feu tout flamme, je laisse tomber, en fait, et puis, ou est-ce qu'au contraire, je me dis, voilà, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que ça ne me permet pas justement d'éprouver ma foi, de me dire, le Christ, il est ressuscité, et même si j'ai eu un décès dans ma famille dernièrement, le Christ, il est ressuscité quand même. Et donc, c'est ça qui va être l'essentiel. C'est de rester dans cette confiance. Et c'est ça qui me touche dans ces Syriens, c'est leur résilience, si vous voulez. C'est que des drames, ils en ont vécu, mais beaucoup plus en moyenne que nous. Et pourtant, ils ne se laissent pas décourager. Et le pire, en fait, ce n'est pas tant le virus, le pire, c'est le découragement. Le pire, ce n'est pas tant d'avoir un trait de caractère qui est difficile, le pire, c'est le découragement. Le découragement, parce qu'il est plus subtil. Et presque jamais on va se confesser de s'être découragé. On va se confesser d'avoir chuté. Oui, je me suis mis en colère, je demande pardon. Mais par contre, on oublie de se confesser, je me suis découragé, j'y ai plus cru. Devant l'épreuve, j'ai relâché confiance en Dieu, confiance en moi. Et là, nous sommes invités à être résilients, persévérants. Et je crois que ces temps-ci, nous sommes passés dans une deuxième époque, deuxième étape de ce confinement. Il y a eu les débuts qui nous ont déboussolés, mais il y avait de l'énergie parce qu'il fallait s'organiser, parce qu'il y avait un côté aussi bizarre, nouveauté, puis même on apprenait chaque jour quelque chose de nouveau. Et maintenant, on est dans une routine. Et puis surtout que lundi dernier, M. Macron nous a annoncé une date, et encore, c'est même pas dit que ce soit la bonne date. Et donc, lassitude, et qui peut nous dire, finalement, Pâques, je laisse tomber. En fait, le temps pascal, non, en fait, on est encore au carême. Et puis, de toute façon, Dieu, finalement, la foi. Et puis, de toute façon, à distance, ce n'est pas possible de continuer. De toute façon, etc., etc. Et donc, c'est ça la question. Comment je vais arriver à tenir bon? Donc, en cultivant cette persévérance. Et pour cela, il faut s'entretenir. En fait, il faut cultiver, c'est comme une plante au printemps, les racines, des bonnes racines, pour que ça donne des belles fleurs. C'est pas tout d'avoir des racines, c'est des racines qui donnent rien, et parfois des racines de bois mort. Mais c'est de cultiver. Et pour cultiver, on peut reprendre la première lecture des Actes des Apôtres qui nous montre les débuts de l'Église. Et au début de l'Église, tout de suite, ça a été compliqué. Ils avaient l'hostilité des chefs juifs et puis des Romains. Et pourtant, ils étaient dans cette espérance de la résurrection, et pourtant il y avait les épreuves. Et si on reprend ce texte-là, des Actes des Apôtres, on repère les cinq essentiels de la vie chrétienne. Donc, vous voulez rappeler, c'est les cinq éléments qui, pour mener une vie chrétienne, avancer sur le chemin de la sainteté. Et donc, en fait, vous savez, parfois, on donne des bons conseils pour être en forme. Un peu de sport, manger équilibré, dormir. Et bien là, les cinq essentiels, c'est ça. Si vous voulez tenir bon dans l'épreuve, si vous voulez tenir bon au long de votre vie, eh bien, cultivons ces cinq dimensions. Si on reprend les Actes des Apôtres d'aujourd'hui, on les retrouve. La vie fraternelle. On le voit dans leur communion ensemble qu'ils ont, ces apôtres. Le service. Alors eux, c'est même une vie communautaire complète. Ils se rendent service les uns les autres. Ils se partagent même tout. Il y a la prière. Ils le disent, différentes prières. Ils montent au temple. Ils sont assidus à la louange. La formation. Il est dit qu'ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Et puis l'évangélisation. Parce que, allez voir, comme cela est dit à la fin du texte, cela suscite l'enthousiasme de ceux qui les approchent. Donc voilà ces cinq éléments, je les redis, il n'y a pas d'ordre entre eux.
donc je l'ai dit dans un autre ordre, de la formation, du service, de la vie fraternelle, de la prière et de l'évangélisation. Et donc ça, c'est cinq piliers à bâtir pour avoir des bonnes racines, une bonne tige et produire des fleurs, comme il y a devant moi. Et donc, à nous d'en prendre soin pour qu'après, quand l'épreuve vient, eh bien, elle passe et au contraire, elle va nous fortifier. Comme une plante qui va bien, il peut y avoir un gros orage, elle tient bon, en fait, et elle refait vite des fleurs. Donc, à nous de rester dans cet enthousiasme de Pâques. Cette joie, nul ne va nous la voler. Ce n'est pas un virus ou autre chose qui va nous la voler. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous la voler. Pour cela, n'ayons pas peur des épreuves, c'est normal. Ce n'est pas Dieu qui nous les envoie, mais c'est l'occasion de vérifier ce que je vaux, en fait. Ma foi, est-ce que c'est du feu de paille? Est-ce que c'est que de l'émotionnel? Ou est-ce qu'il y a toutes les dimensions? Et pour cela, eh bien, je mène ma vie comme les premiers chrétiens. Même si je suis bien réaliste qu'il y a des épreuves, je continue à être dans l'enthousiasme en cultivant ces cinq essentiels: vie fraternelle, évangélisation, formation, prière, service. Et ainsi, je continue ma vie très concrète dans le monde d'aujourd'hui, avec ses joies et ses peines, mais avec la conviction que le Christ est ressuscité et que ma vie est transformée parce que Dieu est présent et agissant et qu'il m'appelle à être disciple et missionnaire. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Avec lui, il viendra dans la gloire pour juger les puissants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent nés sur terre, en ces jours très saints, une vie convenable et que le Seigneur leur apporte. Prions le Seigneur pour que la joie de Pâques nous transforme en profondeur. Que Jésus, victorieux de la mort et du péché, façonne notre vie intérieure en une joyeuse proclamation de sa présence et de son amour dans le monde. En ce dimanche de la fête de la Divine Miséricorde, répondons à l'invitation de Jésus de prier avec confiance son cœur sacré. Que les flots de miséricorde qui nous purifient du mal nous rendent ardents à faire le bien envers notre prochain. Prions pour que la résurrection du Christ stimule en nous le désir d'une prière soutenue et intense, afin de vivre une profonde démarche de conversion, indispensable à la guérison du cœur humain et de toute l'humanité. Au sein de notre assemblée paroissiale, ouvrons nos cœurs, Seigneur, à ta miséricorde. Couvre-nous de tes bénédictions
Préserve-nous de tout mal et répands sur nous la lumière et les dons de ton esprit. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu bénis de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu bénis de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, le travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelez par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour les multitudes en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et le peuple des rachetés. Veille sur Bérénice et Pierre-Emmanuel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Te confions les familles Capoudjian et Carchabouin. Pour nos frères défunts, pour Guy Variel, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen, gloire et louange.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. T'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Une mère de famille me disait ce matin que quand il regarde la messe à la... comme vous faites là, devant les écrans, ses enfants lui disent à un moment, tiens, c'est le moment de la quête, le moment de l'offertoire. Donc je disais, ben, si vous voulez, si vous êtes à la quête prélevée, vous pouvez chez vous faire une petite boîte, mettez soit vos pièces de monnaie, soit vos petits jetons verts de quête prélevée, puis à la fin, vous viendrez déposer tout ça à la paroisse. Et pourquoi pas, c'était une blague, mais pourquoi pas. Sinon, merci à tous ceux qui souscrivent à la quête prélevée, vous qui êtes paroissiens, de vous envoyer directement à l'évêché le tract que vous avez reçu. Et pour les autres, donc, vous pouvez aller faire un don en ligne à ce moment-là. Ou bien, vous pouvez aussi faire des dons exceptionnels. Quelqu'un me disait, en fait, moi, j'ai pas de, mes revenus ne bougent pas. Et puis, comme en plus, on dépense rien à part la nourriture actuellement, pas de transport, pas d'autre chose. Et puis, j'ai un de mes enfants qui est jeune professionnel qui est rentré à la maison, qui ramène un salaire. Donc, à la fin, c'est sûr qu'on a même des revenus en plus pour certains. Et donc, vous pouvez faire à ce moment-là un don exceptionnel en ligne avec un reçu fiscal à la clé. Et par contre, évidemment, vous n'êtes pas. Selon toutes les situations, sont tous différentes. Et encore une fois, ceux qui veulent donner donnent de bon cœur. Si d'entendre qu'on vous parle d'argent, ça vous fait râler, eh bien, donnez pas. Et puis, râlez pas, en fait. Parce que. On a besoin, et juste pour que vous sachiez, en ligne, on a récupéré, ce qui est déjà très bien, 1000 euros depuis le début du confinement. Donc merci à tous ceux qui ont versé par la quête en ligne 1000 euros. Ceci dit, on est largement en dessous de ce qu'on récupère dans les dimanches successifs, évidemment. Et la situation est très préoccupante, notamment pour le diocèse et pour certaines paroisses. Cette situation, on espère qu'elle va se terminer, qu'on va déconfiner un jour, mais on n'a aucune information sur quand recommenceront des messes, quand est-ce qu'on pourra à nouveau faire ci, faire ça, quand est-ce qu'on pourra, le dimanche à 10h45, on a à peu près 300 d'habitude. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite qu'on puisse être 300 en même temps à la messe. Donc, patience, patience, patience. Et donc, le mot, comme je vous le disais dans le sermon, c'est la persévérance. Nous avons entré dans une phase un peu de résilience, et de persévérance et tenir bon et c'est dans le quotidien que nous avons à continuer dans la joie et dans la foi et nous habituer pour l'instant à ces messes en vidéo qui sont avec leurs limites techniques et puis le fait qu'on ne soit pas ensemble et puis il n'y a pas l'Eucharistie, c'est sûr mais on s'accroche et là comme on l'entendait dans la parole de Dieu ce sont ces épreuves qui vérifient la qualité de notre foi et puis sachons aussi nous réjouir et puis un peu d'humour. Et puis aujourd'hui, c'est dimanche. Donc c'est dimanche, de Pâques. Donc fêtons-le. On a le droit de s'amuser aussi. On a le droit d'être dans la joie. Pensons à Mère Teresa qui s'occupait des mourants à Calcutta. Il y avait de quoi être dans la peine. Et pourtant, elle était toujours souriante. Donc ça peut être un effort d'aujourd'hui. Je vais être souriant toute la journée. Même si j'ai beaucoup de soucis qui peuvent arriver, mais ça ne va pas être de les ruminer dans ma tête qui va les régler. Là, c'est dimanche, je fais pause et je me réjouis de la résurrection. Et je sais que même dans les épreuves, le Seigneur est là. Je suis heureux de vous, pas de vous voir, mais presque, parce qu'avec ces vidéos, on s'en passerait, on préférerait tous ensemble. Ceci dit, grâce à tous les retours que vous faites, j'ai l'impression que vous êtes un peu là, parce que j'entends déjà vos remarques, je les lis déjà dans vos mails, dans vos SMS, dans ce que vous en dites, et donc il y a du retour, et ça c'est important, et cette vie paroissiale continue online, et merci à tous ceux qui prennent des rôles dans les chants, dans les lectures, c'est pas un club réservé, vous avez vu le nombre de personnes qui sont intervenues dans la Semaine Sainte, si on les additionne, je n'ai pas fait le compte, mais c'est énorme. Et donc, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns qui seraient une élite ni un club mondain, mais c'est l'Église ouverte à tous.
Donc merci à vous tous qui osez vous y lancer, tous ceux qui participent aux anges gardiens, où il s'agit simplement de grandir dans la prière les uns pour les autres, rien de plus, ceux qui sont dans la chaîne de prière aussi. Et ainsi, on ne se laisse pas emporter par la vague du découragement et du confinement, mais au contraire, ce temps est peut-être un temps providentiel pour nous fortifier dans les cinq essentiels, je vous les redonne, à connaître par cœur, la prière, le service, l'évangélisation, la formation, la vie fraternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.